Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Franceline, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Made in France et sur Ravelry sous le pseudo Made in Franceline. Donc ici c'est un podcast créatif où on parle tricot, parfois couture mais pas trop en ce moment. Là c'est mon coin couture, tout ça qui est pas fonctionnel en fait. Les machines sont juste posées, là vous pouvez voir les cartons qui restent encore. Voilà, du coup ça fait 2 mois que j'ai enregistré mon dernier épisode. Je vous avais laissé j'espère que la chaise grince pas trop. Donc je vous avais laissé gérer le Covid, on venait de faire un aller-retour gratuit à Paris pour l'opération de mon homme qui avait été du coup reporté. Elle a eu lieu début mai. Il a enchaîné quelques complications. Du coup, il est resté quasiment un mois à Paris et une semaine chez nous à l'hôpital. Donc il vient seulement de sortir de l'hôpital mercredi. On est vendredi soir. Voilà. Donc ces derniers temps, il y a eu pas mal de petites choses. De fait, j'ai été atteinte d'une petite questionnite aiguë, donc j'ai plein de projets en cours. J'ai l'impression que rien n'avance. En fait, je suis plus monoprojet et du coup, là, j'ai plein de trucs et rien n'avance. Donc, je suis un petit peu frustrée, en fait. Alors, on va commencer par les projets terminés. Il y a des choses que je vous avais pas montrées la dernière fois, je crois, parce que du coup, elles n'étaient pas, même pas en projet. Il y a quelques pas grand chose je crois la dernière fois qui sont encore là, je me rappelle plus trop. Alors je crois que je vous avais présenté les chaussettes, les Jua socks. Alors je reprends mon petit truc, j'espère que ça va pas faire trop bruit. Je vais pas le retrouver. Non, c'est les chaussettes qui s'appellent. Ah, là. Bon, j'avais pas mis grand chose. Jua socks, mais en fait, j'ai pas mis le nom de la designer que j'ai tricoté avec un set de mini que j'ai trouvé chez Heidi quand je suis allée à l'AEF. Donc ce sont des chaussettes qui sont pareilles, pas pareilles en fait. J'ai inversé les couleurs sur la paire. Donc en fait ce qui m'a plu dans ces chaussettes, c'est le fait de pouvoir passer des restes et la construction qui est vraiment très très atypique. Parce qu'en fait on commence en faisant un montage provisoire ici, on fait le talon en rang raccourci. Ensuite, on construit, on monte le dessous du pied à plat. Ensuite, on fait la pointe en rang raccourci, du même principe que le talon, mais en faisant des rayures cette fois. Du coup, on arrive ici et on fait le dessus du pied en relevant les mailles du côté du dessous de la chaussette. En fait, on relève à chaque fois. Normalement. Sauf que moi, la première que j'ai fait, je ne sais plus c'est laquelle. J'avais fait comme ça, relu au fur et à mesure. En fait, je me suis retrouvée avec un truc qui était de travers. En fait, j'avais pas relevé les mailles de la même façon. Donc là,
J'avais tout défait et en fait j'avais relevé l'émail de chaque côté sur une autre aiguille. Et comme ça, j'étais sûre d'avoir le bon point de maille relevé de manière régulière. Et ensuite, mes rayures, elles sont pas belles. On reprend ici en faisant des rayures. Donc là, maintenant, on est en rond, en faisant des rayures. Et après, on finit avec les côtes. Voilà. Donc, elles sont franchement très très sympas. Là, elles ont été portées. C'était par laver. J'ai retrouvé mon carton de tricot à laver. Je vais pouvoir laver mes anciennes chaussettes. Enfin, mes anciennes chaussettes. Qui était dans le carton. Je les trouve franchement super sympas. Les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup. Et il me reste quand même de la laine. Du coup, je vais faire un autre modèle de chaussettes pour ma grande avec. Alors, est-ce que je pourrais pas vous retrouver le nom de la designeuse? Donc en fait les talons ils étaient faits les rangs raccourcis avec des mailles doubles et après on refaisait des mailles triples dedans. J'ai eu un peu du mal à les faire surtout pour les rayures en fait. Je trouve que les rayures elles sont pas top top. Quand on les regarde de côté. Après c'est la pointe de mes pieds, hein. Voilà, mais j'essaierai peut-être de faire une autre méthode si je refais ces chaussettes. Alors du coup c'est pas des chaussettes complètement zéro zéro parce que là quand il faut relever il faut pas se planter. Là avec les rayures c'est pas super intuitif. Puis, bon après là ça va mais là c'est pareil le dessous à plat ça va mais après. Donc les Jiwa Socks par Rebecca Moser. Et voilà le modèle de présentation sur Ravel. J'avais craqué sur ce côté avec le rose fluo. Voilà, donc ça c'était un projet qui était en cours la dernière fois et qui du coup est terminé. Ensuite, j'ai eu une envie. Une envie terrible de tricoter un pull en jacquard pour mon dernier, pour Achille. Voilà, donc j'ai fait le Sugar Bush Kit de Marie Amélie Design avec un superbe jacquard ici en taille 6 ans. La laine, alors j'avais retrouvé l'étiquette, je l'ai posée, je ne sais plus où elle est. C'est des laines que mes très copines du tricoté m'ont donné des restes. Des très bons gros restes, merci les filles. Le bleu marine, c'est Claudie qui m'a donné. Et le rouge orangé, c'est Justine. Il me semble que le bleu, c'est de la Baby Merino de Drops, le couleur numéro 13. Sur l'étiquette et ça c'est de la langue yeah. La même chose la Yavol ouais, la Yavol mais du coup en couche voilà. Voilà donc en fait normalement ce pull il se tricote en laine sport mais bon, je l'ai tricoté avec ça. J'avais mis un petit truc sur Instagram parce qu'en fait, j'ai commencé en tricoter, j'avais fait les côtes et j'avais pas les bonnes aiguilles pour faire mon jacquard en dessous. Et j'ai repris le lendemain. Et en fait, ça me faisait un trou ici, au début de mon rang. Je comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que je me rende compte que là j'avais un rang vert. Et bien en fait, quand j'ai repris pour faire mon jacquard, j'ai tout simplement fait demi-tour et tricoté du coup en fait sur l'envers de mes côtes. Donc en fait ça c'est le rang d'augmentation qui est après les côtes pour avoir le bon nombre de mailles.
jour des maris et ben, il est sur mon verre. Voilà, ça se voit pas. Donc voilà, on a ce superbe jacquard. Avec la lumière, c'est mieux. Superbe jacquard, du coup avec les augmentations qui sont à l'intérieur. Ensuite, on a encore un petit peu de jersey ici avant de faire la séparation. Après, c'est tout droit jusqu'aux côtes et puis les manches elles sont toutes simples aussi. Donc j'ai fait en 3,5. J'ai eu un petit souci sur les manches parce qu'en fait j'ai fait avec mes mini. Et je voulais les faire en 3,75 parce qu'en fait je tricote plus serré quand je fais des petits diamètres. Et en fait je croyais que j'avais des 3,75 et en fait non. Et je me suis rendu compte après avoir fait la première manche qu'en fait en pensant tricoter des 3,75 j'ai tricoté des 3,25. Donc la manche elle est un peu serrée. Celle-ci j'ai dû la faire en 3,5, il n'y a pas la démarcation. Du coup c'est un petit peu serré pour lui au bras, j'espère qu'en bloquant ça va bien s'étendre. Voilà. Donc Marie-Amélie Design, je pense que vous savez, mais elle a arrêté le design et du coup elle a passé tous ses patrons en gratuit. Donc merci beaucoup parce que ce sont des pépites. J'adore ce jacquard, il est trop trop beau. J'ai hâte de le voir, j'espère qu'il lui ira encore bien à l'automne. Pas facile la lumière ici. Il est presque 20h. C'est pas le meilleur moment de la journée pour tourner, mais bon voilà. J'avais envie. Si je reporte encore la semaine prochaine, ça ne se fera jamais. Voilà. Deuxième projet terminé. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Alors, la dernière fois, j'avais le top, roll over the top, je crois que ça s'appelait, qui était en sample pour, en sample pour Madeleine de Interstein. Je l'ai fini, je ne peux pas vous le montrer parce que du coup, je l'ai rendu à sa destinataire, à Angèle. J'avais fait en studio linen de Erika Knight. Franchement, cette laine là, cette fibre là, elle est juste fantastique quoi. C'est du lin et de la viscose de lin. C'est d'une fluidité dingue pour du lin. Et franchement, c'est super agréable à tricoter. C'est super léger. Quand elle l'a porté, elle m'a dit c'est merveilleux. Donc voilà. Et donc, du coup, qui dit sample dit petit bon d'achat. Je me suis fait plaisir en allant lui rendre son bien. J'ai acheté, j'ai pris de la fibre pour me faire mon top qui est encore en test chez Lucienne Tricote, mais qui va sortir bientôt, qui est fini, qui est là. J'avais pris de la laine pour faire des chaussettes. Donc du coup je vais vous montrer les premières. J'avais pris deux pelotes pour faire des chaussettes. J'ai pris de la, alors je crois que j'ai compris comment ça se prononce mais je suis pas sûre, puis pièce, la laine autoréante, la Dawn Tone. Et du coup là moi j'ai fait pour mes chaussettes, c'est la couleur 412 Museum Square. Donc des chaussettes avec des couleurs qui vont du beige, bleu, clair. Alors on a beige ici. Beige ici, là c'est du bleu clair, du parme. Ici c'est du vert qui est presque pareil, un bleu foncé, un rose plus soutenu et on repart sur le beige. Donc en fait là j'ai pas pris de patron, j'ai fait mes chaussettes un peu à ma façon. Je crois que j'avais monté 24 mailles ici avec la méthode du Turkish Custom.
J'ai fait les augmentations. J'avais mesuré pour mon pied à peu près. Et ensuite, j'ai voulu essayer du coup une autre forme de talon avec des rangs raccourcis. Un peu dans le même style que les Jiwa Socks. Mais avec la technique des German Short Rose. Et en fait, j'avais trouvé sur Ravelry un patron justement pour les talons. Alors, je ne sais plus s'il est. Bon, il coûte 1,86 €. Je me suis fait plaisir. C'est le Doppio Vaniglia. Donc c'est pour faire des talons en rang raccourci, mais renforcés. Voilà. Donc moi j'ai fait avec la même laine. Là on voit pas trop mais qu'ils sont renforcés parce qu'en fait ils sont déjà portés. Donc ça a déjà un peu feutré le talon. J'ai pas pris de laine contrastante parce que j'en avais pas qui me satisfasse par rapport à cette laine-là. Donc j'ai fait comme ça, et du coup j'ai passé quasiment deux couleurs dans le talon et après j'ai repris les rayures. Donc ici là, l'intervalle entre les deux couleurs est moins important parce qu'elles sont là. Donc il est assez simple à faire, on comprend vite. Je pense que je me suis un petit peu plantée au niveau de la longueur de mon pied avant de faire le talon. Je trouve qu'elles sont peut-être juste un petit peu serrées, mais je pense que peut-être que à force d'être portée au lavage, ça ce sera mieux. Et du coup, ensuite, j'ai recontinué et j'ai fait en mode socket avec un tout petit peu de côte. Et c'est pareil, là, je pense que j'aurais dû monter un peu plus parce que ça arrive vraiment sur l'articulation de la cheville et ça serre un peu quand même. Après, j'avais un peu peur, je sais pas ce que j'ai fait, mais en fait, j'avais peur de plus avoir assez de laine en fait pour faire les deux. Pour une fois, j'ai fait les deux pareil. Et du coup, bah, en fait, voilà, je les ai fait comme ça. Après, je les ai déjà portés deux fois. C'est pas si pire, c'est quand on les enlève, il y a la marque, quoi. Voilà, donc la laine est méga douce quand on la tricote, mais vraiment d'une douceur incroyable. Mais ça feutre en fait. Et ça feutre presque déjà enfin, ça bouloche, je veux dire. Et ça bouloche déjà presque quand on tricote. Donc je ne sais pas si elles vont tenir longtemps. Mais je les aime beaucoup, beaucoup. Sont agréables à porter. Enfin voilà. La laine, elle est très 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 jolie. Et ça coûte 7,50 € en tout cas chez Madeleine. Je crois que c'est à peu près le prix chez tout le monde. J'avais aussi pris donc, trois projets terminés. Quatre si on compte le top rollover the top. J'ai un peu moins pris d'accent. Donc, je vous ai dit que j'avais pris de la laine pour me faire un top. J'avais pris de la Alino de Bességarde. Donc, c'est 50% lin, 50% coton. Ça, c'est la couleur 3. Sur le site, j'ai la mis couleur blanc camel. Donc, ça fait beige. Et en fait, quand on regarde comme ça, ça fait beige. Et en fait, porté dans la vraie vie, il y a le côté rosé qui ressort énormément. Je pense que vous ne l'aurez pas. Donc, ce que j'ai fait avec ceci. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je porte au fait. Ce que j'ai fait avec ceci, c'est la tunique. Bowman. Bowman. Je ne sais
pas comment ça se prononce. Du coup, de Lucienne Tricotte. Qui est donc un top d'été. Qu'elle a tricoté avec le fil Reborn de Crème que Soul, je crois. Voilà. Donc, on a une bande d'encolure au point mousse dans le dos et devant. Donc, on commence par tricoter le dos avec la petite bande de point mousse au début jusqu'à la hauteur de l'emmanchure. Ici, il y a un I-cord qui se tricote en même temps. Donc, de chaque côté. Ensuite, on relève un certain nombre de mailles ici pour faire un demi devant puis l'autre avec toujours cet I-cord. Voilà, avec la bordure en point mousse, des augmentations pour faire le décolleté. Ensuite, au bout d'un certain nombre de centimètres, on rejoint les deux demi-devant. On a des jeux d'augmentation et diminution ici pour bien finir en pointe. Et ensuite, en fonction des tailles, on tricote encore un peu pour avoir pour rejoindre le dos et le devant. Puis ensuite, on tricote pareil jusqu'à certain nombre de centimètres. Et ici, on a des rangs raccourcis dans le dos. Pour avoir un dos qui est plus long que le devant, et ensuite côte torse. Ici on remonte pas de maille en plus pour faire le dessous de l'emmanchure, donc c'est un top qui a les épaules un peu tombantes là et qui est droit ensuite. Du coup, moi j'ai tricoté la taille 7, c'est 119 cm de tour de poitrine avec une aisance recommandée de 15 cm. Pour le moment, je ne l'ai pas bloqué, je crois qu'il est un petit peu plus petit, mais je trouve qu'il n'est pas trop mal comme ça, donc j'espère qu'au blocage, il ne va pas trop. Voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté même si il n'est pas bouti. Voilà. Franchement, il est agréable. Bon, c'est un fil déca quand même. Hein. 125 mètres ou 50 grammes. Donc moi j'ai un peu plus de 7 pelotes, un petit peu moins de 8 on va dire. Donc bon, voilà. C'est pas tout léger, mais c'est quand même super agréable. Voilà. En tout cas, il était très sympa à tricoter. Il m'a bien accompagnée dans le métro quand j'allais rendre visite à mon homme à l'hôpital à Paris. Il y a des journées où je passais également une pelote complète dans les quand c'était en ronde ou facile. Dans toute la partie en ronde, zéro cerveau, enfin, ça roule tout seul quoi. Voilà. Donc le patron doit sortir la semaine prochaine, je crois. Ensuite. Un autre test. On passe au projet en cours. Ou pas tout à fait fini, mais presque. Voilà. Donc ça, c'était aussi un autre test que j'aurais dû bien rendre tout complet il y a un moment. Ce sont les chaussettes Bees Socks. J'ai fait tomber ma laine. Bees Socks de Anaïs de Laine et Chaudron que j'ai tricoté dans la laine au pays des licornes de la laine et filière. Donc c'est déjà
gravés avec des couleurs flashy, par petites touches, par petites spéculoos, qui donnent un effet finalement assez, assez shiny, avec seulement des petits éclats de temps en temps. Alors, du coup, cette chaussette, elle a la particularité d'avoir des petits points de dentelle comme ça, à plusieurs endroits, donc sur la pointe. Ça représente un peu des petites abeilles. Donc on a ce point de dentelle ici. Ensuite, on a un point nid d'abeille qui est fait avec un jus de maille double. Le dessous en jersey, tout simple. Ensuite, on a un gousset avec des augmentations ici. Et dans le gousset, on a de nouveau une petite, petite dentelle. De chaque côté. On entend mon dernier en vrai, j'espère que vous m'entendez pas trop. Et il y en a aussi une sur l'arrière du talon. Voilà, et ensuite on fait un peu de points nid d'abeille tout autour de la chaussette et on finit par un petit ourlet en danger. Voilà, donc ça c'est pas du projet zéro cerveau. Hein. Bon après, le point nid d'abeille, une fois qu'on a enregistré comment ça se passe, il se fait sur 4 rangs. On lit assez facilement là où on est et c'est pas difficile. Après les petites dentelles sont un peu plus compliquées, mais une fois qu'on a compris c'est pareil, hein, on la répète 1, 2, 3, 4 fois, ça va. Donc en fait pourquoi je n'en ai fait qu'une, c'est que en fait au début du test j'avais commencé une chaussette, j'en étais au talon et la deuxième elle était juste avant le gousset et en fait on s'est rendu compte que ce point de nid d'abeille est très très extensible et du coup en fait avec le nombre de mailles qui était préconisé pour la taille S parce que j'ai fait des chaussettes pour Juline, mon pied à moi passait très très facilement dedans. Donc en fait j'ai décidé un peu en dernière minute de tout démonter pour refaire vraiment la version finale qui est proposée à la vente, donc du coup avec des diminutions sur le devant pour réduire la largeur en fait du devant pour que ça fitte beaucoup mieux sur le pied. Et donc du coup en fait je l'ai commencé dans le train en allant à Paris, j'en ai fait une bonne partie la veille de l'opération et je l'ai fini dans les jours qui ont suivi, mais du coup je voulais vérifier sur Juline avant de faire la deuxième et là je sais que ça va, donc en fait il faut que je m'y remette. En plus elle attend impatiemment ses chaussettes, donc la deuxième va bientôt venir sur mes aiguilles. Donc c'est un très joli patron qui a besoin d'un petit peu de concentration mais qui n'est pas non plus si compliqué que ça une fois qu'on a compris les points en fait. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et j'aime beaucoup la finition. Petite tanche. Ça donne un petit côté rétro un peu sur les chaussettes quand on était gosse là avec petit peu de dentelle ou des trucs comme ça. Voilà. Et il faut dire que cette laine, enfin, elle est magnifique, j'adore. J'ai un écheveau pour moi avec des paillettes en plus. Ça va être trop bien. Ensuite, comme autre projet, je pense que je vous avais laissé la dernière fois. J'avais aussi présenté. Oh là.
Alors, donc c'est aussi un test. Ça, quand on a plusieurs projets dans le même sac, ça s'en mêle et quand on sort, il n'y a plus rien qui va. Voilà, donc c'est. Je vous avais déjà présenté ça, c'est le test pour osciller si tricote un set avec un débardeur et un petit surpull. Le débardeur, je pense que je l'avais déjà filmé la dernière fois, je vous le remonte tout vite. Donc c'est pareil, c'est pour Juline. Donc on commence par les côtes, on a fait les augmentations pour arriver en dessous des bras, on tricote en rond et en dessous il y a une petite frise de dentelle des côtes et après on vient refaire un I-cord, on fait un montage provisoire, hop, on arrive jusque là, on fait tout le tour et on remonte. Alors dans un sens ou dans l'autre, je me rappelle plus, on laisse les mailles sur un fil. Et après, normalement, on bloque et on vient les coudre derrière. J'ai toujours pas bloqué. Voilà. Moi, le blocage, grande histoire d'amour. Et du coup, je crois que je vous avais montré le surpull. Sauf que depuis, il a été démonté, il a été remonté une autre fois et redémonté encore une fois. Parce qu'il y avait des soucis pour le. Bien tombé. Il y avait des soucis de tenue en fait, de fit. Ça n'allait pas, ça plissait. Donc sur les couleurs, franchement, je suis admirative du travail de Elise, qui est vraiment à l'écoute des testeuses et qui n'hésite pas à mettre un test en pause pour réfléchir, pour recommencer avec Anaïs. Anaïs Louvre, mais franchement, elle fait un travail formidable. Donc voilà, là on est normalement sur la dernière version. Il faut que je le finisse pour le 24. Donc là, il me reste juste les manches à faire, les manches qui arrivent à peu près là, qui s'élargissent normalement, il faut que je vois. Donc voilà. Donc sur la première version, c'était des rangs raccourcis pour faire cet arrondi-là. Et là, en fait, on est sur des mailles rabattues. Et après, on vient relever ici les mailles. Je suis pas sûre d'avoir fait vraiment ça très joliment. Ça fait un peu des trous. Mais bon, on verra au blocage. Et donc voilà, j'ai relevé les mailles. J'ai commencé à tricoter un petit peu. J'ai dû faire un rang. Voilà. Et je peux même pas essayer à Juine pour vérifier le fit du gilet parce qu'elle est partie en week-end. Enfin, elle dort chez sa copine ce soir et ce week-end c'est compète de voltige à 2 heures de route et moi je travaille donc elle va camper. Et Louis, il part dimanche matin avec une autre maman à 5 heures du matin. Voilà. Donc voilà. Alors j'adore les tests pour j'adore son travail. Franchement, c'est top. Et du coup, pour rappel, c'est en chanvre à base de pernelle de Natticea. Et la couleur, je sais plus, vert d'eau, je crois. Voilà. Donc j'étais allée la chercher aussi à l'AEF. Commencer mon test, autant vous dire que du coup le test là il est en cours depuis un moment, mais ça aura été du tricot rentable. Tricoter, détricoter, recommencer, très très. Voilà. Ensuite, on va passer là-dessus. Voilà, j'ai tricoté, j'ai commencé un truc, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça va finir. Je sais pas. Alors, maman m'a ramené
je suis arrêtée en plein milieu d'un rond, ça va, on vous donnait rien, ou un canard. M'a remis un fil qu'elle a retrouvé qui date de Mathieu Dalem. Il y a du carton à l'intérieur. Pour tenir le fil. C'est un fil 50% acrylique, 50% lin. Qui est très très bizarre. On dirait qu'il y a trois fibres mélangées. Il y a un fil qui est blanc, un fil qui est jaune un peu et un fil qui a un espèce de brun. Moi j'aime pas trop la couleur, mais bon. Donc, elle voulait que je fasse un top pointé, mais. Oh purée, décidément. Mais un truc qui cache les bras parce que elle aime pas la cellulite qu'elle a en dessous des bras. Donc elle veut pas de trucs sans manches. Donc j'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry dans un truc qui devrait passer parce qu'en fait j'avais 6 pelotes de 100 mètres. Donc seulement 600 mètres en déca. Ça fait un peu juste pour faire un truc. Faire un truc avec des manches quoi en fait. Donc j'ai trouvé ceci, c'est le top Cancun, voilà, qui a été réalisé par Erin Kate Archer, qu'on peut télécharger en français sur le site. Normalement c'est avec de la laine Blue Heron rayon métallique avec des aiguilles 5. Voilà, normalement 460 mètres de laine déjà. Et en fait on fait deux rectangles qu'on vient coudre après. Alors en plus j'aime pas coudre le truc, j'ai à peine fait deux motifs, ça me saoule déjà. Je sais pas si j'ai pas fait une erreur parce que je sais pas si ça va bien se mettre après. Donc en fait c'est un truc, vous commencez le rectangle par du point mousse au-dessus, une certaine taille de point mousse, et après vous avez vous faites des répétitions de motifs de dentelle en fait, qu'elle montre sur le dessin. Là c'est le modèle, enfin le point B, le point A. Donc là j'ai fait deux fois le... On voit rien. C'est un truc, le point il s'appelle comment? Drop stitch. En fait, c'est un truc avec... On fait des jetés en fait. Entre chaque maille, on fait trois jetés qu'on lâche le rang d'après pour avoir ces toutes grandes mailles là. En fait. Et c'est là que je me pose la question de... Je sais j'ai bien fait parce qu'en fait je sais pas si avec l'acrylique si ça va être bloquable. Ça se dit pas bloquable, mais si après ça va, je vais pouvoir bloquer et que ça va tenir quoi comme ça. Et que ça va pas faire un truc. Voilà. Donc autant vous dire que normalement le machin on doit monter 99 mailles. Moi j'avais peur que ce soit trop juste pour moi. Pour ma maman. Donc j'ai rajouté 18 mailles qui sont censées faire 10 cm. Et donc vous imaginez bien faire une maille, trois jetés, une maille, trois jetés. Enfin, c'est interminable déjà le premier point. Et après, quand il faut laisser tomber les jetés et reprendre, en fait, c'était super chiant parce que ça glissait pas sur les aiguilles. Les jetés et les points, ils s'en mêlaient en fait. Et en plus je crois que c'est le point là qu'on répète le plus dans le modèle. 1, 2, 3, on fait 4 fois. Bref. Et il faut que je le rallonge parce qu'il a l'air d'être un peu trop juste. Et en plus ça c'est juste un rectangle quoi. Faut que j'en fasse un deuxième. Mais je suis folle. Je vais me... avec. Voilà. Donc ma foi. On verra.
verra bien si si avec les autres points ça se passe mieux ou pas. Il faut faire du point mousse entre chaque. On va bien voir. Voilà, donc c'est le top qu'on coûte. Ensuite, on arrive à un sujet de discussion qui est beaucoup plus rigolo. Mon amie Julie, l'habite 88, a lancé un cal le 1er juin, c'est donner à bouffer aux poissons. Donc en fait, le principe de ce cal, c'est de tricoter une marinière. Elle en avait parlé lors d'un tricoté, et moi qui n'avais absolument pas dans l'idée de tricoter une marinière ou quelque chose de rayé, l'ai, on peut dire, emmerdée pendant 2 heures à chercher sur Ravelry des modèles qui s'appelaient marinière mais qui n'avaient pas de rayures. En disant tiens, je peux faire ça, tiens, je peux faire ça. Bref, j'ai été très très pénible. J'adore, mais je m'excuse. Ou pas, je... Voilà. Ouais, je l'ai taquinée pendant 2 heures. Et après, elle devait avoir juste envie de m'étrangler à la fin du tricoté. Tout ça pour dire qu'en fait, je voulais pas le faire. Que si je faisais quelque chose, ce serait des chaussettes à rayures. Et là, elle m'a dit, si je t'autorise à faire des chaussettes, tu les feras. Hein. Et je lui ai dit, oui, je ferai des chaussettes. Elle m'a dit, ok, t'es la seule à avoir le droit de faire des chaussettes. Parfait. J'ai 2 projets de pull ou gilet à rayures. Que j'ai commencé un petit peu avant la date du cal. Donc la fille, elle est chiante au possible, elle veut pas faire et finalement elle est tellement impatiente de faire ces trucs qu'elle commence avant le début. Enfin voilà. Je serais Julie, je m'aurais tuée. On va commencer par le gilet, le petit gilet qui est le plus marinière. Là, je peux pas être calée. En plus, vous voyez, on est le 10 juin, il est loin d'être fini ce truc. Ah oui, lequel il cure du pro. Hein, elle est en train d'essayer de me tuer, oui. Pardon. Julie, pardon. Lequel dure du 1er juin au 31. Donc vous avez tout le temps qu'il faut pour vous inscrire si jamais ça vous. Enfin, pour vous inscrire. Je ne crois même pas qu'il y a d'inscription. En fait, il faut vous poster sur Instagram avec le. Hashtag, cal donner à manger aux poissons, à bouffer aux poissons. J'ai même pas mis les miens en plus. Donc, en fait, c'est un petit gilet du set Charlize D7 de Elongalekana. Donc, il contient ce petit gilet à rayures, un pantalon et un petit bonnet avec des pompons. En fait, aucune annonce, hein. Vous voyez, aucune annonce. C'est un gilet en taille naissance, mais c'est pas pour moi. La copine qui m'a hébergée pendant le séjour de monsieur à Paris va être grand-mère au mois d'octobre. Du coup, j'ai décidé de gâter le petit bébé Firmin de son surnom. Donc, ce sera la marinière de Firmin. Voilà. Donc c'est un taille naissance que je trouve minuscule en vrai, mais qui à l'écran ne paraît pas si minuscule que ça. Que j'ai tricoté aussi avec des laines que les copines m'ont donné. Là c'est, enfin il n'y a que Claudie. Donc avec de la fil d'art Partner Baby, donc c'est polyamide, laine et acrylique, comme ça passe. Oh la donc fil d'art en blanc qui passe au sèche-linge et ça. Je sais plus.
Je ne sais pas si c'est pas celle-là, la bébé de droite. J'ai plus. Donc en bleu marine. Ce qui fait une marinière tout à fait conventionnelle. Voilà. Donc bon, petit gilet tout simple. On commence par le haut, les côtes. On a les augmentations bras blancs. On sépare les manches. Corps, on commence les rayures tout droit jusqu'à un certain nombre de centimètres, côte et rabat. Et ensuite, on reprend les manches, pareil, on fait les rayures selon les mêmes. Les mêmes intervalles, voilà, les côtes, etc. Et là, du coup, maintenant, il faut que je reprenne. Juste les mailles devant là pour faire les boutonnières. J'aime pas trop relever les mailles, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu en attente. En même temps, c'est pas urgent, c'est pour le mois d'octobre. Voilà. Et après, du coup, j'aimerais essayer de faire le petit pantalon qui va avec dans le set avec cette laine là. J'espère que j'en aurai assez. Et ensuite le bonnet avec. Bon, le bonnet, c'est sûr, j'en ai assez. Voilà. J'ai dit que j'appellerais cet épisode la marinière de la discorde. Parce que Madame a dit qu'elle voulait des rayures. Elle n'a pas précisé la couleur. Marinière, les marinières, elles sont pas toutes blanches et bleues. On est d'accord. S'il y a des rayures, je ne vois pas où serait le problème. Du coup, je suis emmêlée dans les fils. Toi, pas de problème, il y a ça. Du coup, ben moi, je me suis fait une marinière fluo. Elle est pas trop canon ma marinière fluo, franchement. Et là, moi je suis trop contente. Il y a des rayures, tout va bien, c'est merveilleux. Et là, on va, excusez-moi, à Transhumance 88, dans le jardin Une Fille dans le Poiry, sur Val d'Ajol. C'est un événement qui est très sympa. Avec, il y a Angèle de Madeleine Yarn qui expose, et puis Hélène Co aussi. Ils sont pas venus avec le camion cette année parce que c'est trop compliqué, les petits trucs de montagne. Bref, et du coup, eh ben là, c'est pas congé. Elle me dit, oh, t'acceptes ça dans la marinière, c'est pas trop mais non, mais oh, c'est des rayures. Elle a dit qu'elle voulait des rayures. Non, mais en vrai, je vous aime, les filles. Surtout que Angèle, elle sponsorise lequel. Mais bon. Bon, si Malène, elle pouvait arrêter de se barrer aussi, ce serait sympa. Et mon sol, il n'est pas propre. Je fasse le ménage. Donc voilà. Alors. Donc, j'avais. En fait, vraiment, il y a. Quand j'ai fait le podcast il y a 2 mois, j'avais aucune idée que j'allais faire ça, je crois. Je suis plus sûre. C'est quand j'ai vu le podcast de l'autre demoiselle avec son wannabe qu'elle a fait avec de la arruetta, je crois, et des mini de laine de mouton que j'ai eu une illumination. Mais j'ai des fluos de laine de mouton mini. Alors au départ, c'était pour faire des chaussettes, mais je me suis dit autant les mettre en valeur dans un magnifique pull. Donc moi j'ai pris du coup de la Yavol. J'ai toujours envie de dire Yavol Air Général. De la Yavol de langue avec mon bouquet de mini fluo. Donc, il passe pas forcément fluo à la caméra, mais je vous jure que c'est vraiment fluo. Le jour là il pète comme les gilets de sécurité. Voilà,
Donc, bon, c'est pareil. Et je l'ai monté à Paris parce que j'avais besoin un moment de joie et de peps dans ma vie. Du coup, bon, mon cerveau n'était pas forcément très disponible. Donc, modèle wannabe, reprenons depuis le départ, de NCL 8, que je fais en taille 4. En fait, en vrai, j'ai mon carnet, mais j'ai tout noté hier parce qu'en fait, j'ai déjà tourné cet épisode hier une fois. Mais en fait, j'ai mon micro, il n'était pas bien réglé. En fait, on n'entendait rien du tout. Taille 4. Normalement, je crois qu'il est censé faire 118, 112 centimètres. Sauf que j'ai pas fait d'échantillon. Et que je pense que là, pour le moment, j'ai plus 100 que. Après, je fais 106. 105 de tour de poitrine maintenant, donc je pense que voilà, bon, ça devrait aller. Par contre, c'est un modèle qui est vraiment, vraiment ras du cou. Je raconte des trucs, je pars et je raconte d'autres choses. On commence par les côtes ici. Ensuite, on a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et c'est là que j'ai eu un petit souci de cerveau pas trop disponible parce qu'en fait, on a des superbes. Ras blancs qui sont plus larges que d'habitude, en fait ils font 5 mailles ici. Et en fait, Nadia elle fait mettre le marqueur de ras blanc au milieu en disant de faire les augmentations tant de mailles avant, tant de mailles après. Sauf que moi, mon cerveau il n'était pas capable de lire l'explication écrite et de comprendre à chaque fois. Donc, j'avais déplacé mes anneaux marqueurs pour que mes mailles raglan soient au milieu et que quand j'arrive à l'anneau, je n'ai pas besoin de compter et de réfléchir, je fasse mon augmentation. Sauf qu'en fait, je ne pouvais pas non plus compter le nombre de fois où j'avais fait mon grand raccourci parce que j'étais souvent dans le métro, dans l'atelier de mes copains, enfin. Voilà, j'avais pas de quoi noter sous la main, donc en fait je comptais mes mailles. Mais oui, mais j'avais oublié que j'avais bougé mes anneaux, donc en fait je comptais mal. Enfin, pas de la bonne façon. Donc en fait, à un moment, j'étais bonne sur les manches, mais j'étais pas bonne sur le devant. Au final, en fait, j'ai fait plus de rangs raccourcis que ce qui était prévu. Donc, ben, du coup, mon encolure, elle est un tout petit peu plus creusée, mais genre, j'ai fait un rang ou deux rangs de plus, hein, c'est tout. Mais vu qu'elle est déjà très ras, du coup, ça peut pas faire de mal, je pense. Voilà. Ça, c'est quand on n'a pas le cerveau disponible, mais qu'on veut quand même faire des choses, ben voilà, on se trompe. Ensuite, on a du coup les augmentations ras blancs, on fait les rayures, un certain nombre de couleurs principales avant de faire les rayures. Il y a des augmentations corps et à un moment on fait plus en même temps à chaque fois manche et corps. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rentré mes fils. Donc là j'ai encore le rose qui est attaché là. J'ai rentré mes fils au fur et à mesure en les coinçant un peu comme quand on coince les mailles au jacquard pour pas avoir à rentrer 12 000 fils à la fin. Voilà, donc alors moi, cette marinière, je la surkiffe. J'ai vraiment, vraiment hâte d'avancer. Mais en même temps, je savoure tellement de la tricoter, de voir les couleurs. Enfin voilà, j'en suis à la troisième répétition, mais j'adore toujours autant voir ce que donnent les couleurs. Que j'ai hâte de le porter, mais j'ai pas vraiment hâte de le finir en fait. Après, du coup, les manches, je pense que je ferai des manches trois quarts, parce que du coup, c'est un pull qui est tout fin, qui sera bien pour la mi-saison.
Donc, la marinière de la Discorde. Alors, je vous fais la photo. Enfin, la pose pour la photo, comme Lisandre elle fait dans son podcast, les filles, faites ça. Enfin, faites la capture d'écran. En fait, il faut pas faire les podcasts à 20h20. Ça va pas. Je suis un petit peu tarée, j'avoue. Voilà. Alors, ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5 en cours, sans compter un que j'ai lâché à un moment donné, c'est ma blouse que ah, tiens, mon reste d'Hélène chaussette répièce. Sans compter mon cumulus. Qui attend sagement. Donc, quand même vous le sortir. Hier, je l'avais sorti. Donc la dernière fois, j'aurais dû faire suivant. La dernière fois, il me restait les manches à remonter, enfin, reprendre les manches et à les finir. Donc en fait, j'en ai fait une avec la petite finition, le rabat en icord. Très sympa. Et du coup, j'ai commencé la deuxième, mais j'ai vachement abandonné la température qui s'est mise à faire. Et voilà, j'avais besoin de câbles pour les autres projets. Donc voilà, donc là, il me reste juste ce petit bout de manche à faire. Ce sera pour plus tard. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je voulais vous montrer quand même les autres petits trucs que j'avais pris chez Angèle. Donc, le deuxième écho de pièces Downtown, celui-là c'est River Walk. Avec une merveilleuse accent. Donc, un joli, très très joli dégradé de bleu mer. Ouais, et voilà. Pardon, voilà, ça y est parti. De bleu vert, on voit pas trop le côté un peu vert de certaines parties. C'est Louis qui était avec moi chez Angèle qui a choisi ça pour que je fasse les chaussettes. Et normalement, j'avais décidé de prendre un contrastant avec, je sais pas où je l'ai mis. C'est un. Le gris clair ici. Ça sera chouette. Faut que je le retrouve, mais voilà. Donc ça. J'avais pris un écheveau de soc de Copnitz. Coloris 105 Dunbarit. Donc, c'est tout simple et je vais faire des chaussettes normalement pour Christine, un modèle que j'aime beaucoup beaucoup, gratuit aussi que j'ai trouvé sur Ravelry. Qui est tout simple mais très bien pour faire des restes. C'est les week-end shorty socks. Donc les petits bouts en couleur, je vais les faire avec mes restes de laine High Tahiti, je pense. Je mettrai peut-être un peu de flash si elle veut. Voilà, et ensuite, une petite merveille que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. J'ai la chance d'avoir été de nouveau sélectionnée pour faire des samples pour Woolbags. Je vais faire un sample. Je vais faire le gilet Saiga de Folie Ordinaire dans cette superbe laine-là. Bon, je n'aime pas la bonne couleur. C'est un rose un peu saumon. Un peu saumon. Avec des speckles. Du Stellina bronze.
J'ai très très hâte de le mettre sur mes aiguilles. Alors je ne sais pas du coup c'est quelle base, parce que j'ai pas d'étiquette. Mais c'est très chouette, très très chouette. Et elle a eu la gentillesse de me mettre des petits embouts comme ça pour mettre sur mes aiguilles. Ah, c'est ça. Comme ça, pour pas perdre mes mailles. Sont trop mignons, on dirait des petites boules de glace. Voilà. Et du coup, ce que je porte, on fait tout à l'envers, c'est mon top Back is Back que j'avais cousu il y a perpète de Vanessa. Mince, Bouzé. Dans un plus petit, on va y arriver, de France Duval Stella et un petit billet. Là c'est le passepoil et là c'est le petit. J'en profite d'avoir perdu 36 kilos. Voilà. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. J'avais un petit truc cousu, mais il n'y a que du tricot, ça sert à rien de mettre un truc de couture. Donc j'espère que cette fois le micro aura marché, que ce sera pas trop fort, que les bruits de grincement de la chaise ne vous auront pas dérangé, que vous n'aurez pas entendu genre là le chien qui aboie ou mes enfants qui font du bruit en bas. J'espère que tout ce blabla et tous ces projets vous auront plu. Merci, merci de me regarder, merci pour vos commentaires, ça fait toujours très plaisir. Et puis voilà, j'espère qu'est-ce que je veux dire? Bon, je ne sais plus quoi dire, il est trop tard. Donc, à bientôt, j'espère que je suis toute rouge, j'ai pris un coup de soleil. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, en fonction de quand vous la regardez. Et voilà. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Blablabla. Aujourd'hui, je vais vous présenter les podcasts de maman. Voilà. Je crois que mes enfants sont encore plus tarés que moi. Mais ça, c'est... Ça vient de leur père. C'est de leur père. Salut, c'est moi. Il pense que... Voilà. Voilà, sauf. C'est du côté paternel. Ouais, c'est pas ma faute.